vache, ça nous rajeunit pas. Regardez-moi ça, les enfants. Incroyable. Oh là là. Excellent. Je vais faire les deux vieux du Muppet Show, j'ai l'impression, aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Marcus. Vive les Ginatrou, les formants et les bandanas. Et voilà, c'était la grande époque. Et Philippe, j'ai Philippe Dubois à côté de moi. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça roule. Salut Marcus. Bonjour Monsieur Philippe. Enchanté de faire quelques petites parties de VCL 2600 avec toi. Ça va faire du bien, voilà. Philippe est collectionneur comme moi. Alors c'est lui qui a amené ses jouets aujourd'hui, mais la prochaine fois c'est moi qui amènerai les miens. Aujourd'hui Philippe est venu avec une vieille console Atari 2600 VCS, figurez-vous. Incroyable. Donc ça date de 80, tout ça, 81. C'était les premiers jeux vidéo, on a mis Astéroïd pour commencer. Et on a plein de cartouches, on a plein de jeux, regardez, il y en a absolument partout. C'est des Noël. Bons vieux trucs. Ah ouais, c'est Noël de 1980. Donc, 1980. T'avais quel âge toi? Pas grand chose. Hein. Ouh, je vais avoir 8 ans. Moi un peu plus déjà. Mais alors ça y est, tu t'es remis à collectionner en fait les consoles depuis combien de temps? Ça fait... je me suis mis à collectionner les consoles depuis 4-5 ans maintenant. Ouais. Donc j'étais passé à côté de beaucoup de choses, notamment la petite 2600 parce que j'avais une vidéo pack à l'époque. Et je les ai redécouverts peut-être il y a 4 ans quand je me suis mis. Donc tu fais les brocantes et tout c'est ça. C'est impossible. Oh, c'est comme c'est bien, je suis passé à côté, je suis vert. Et puis surtout que c'est... Bah, on est vert en plus. Surtout que ça coûtait quand même 350 balles une petite cartouche comme ça à l'époque. Et vous allez voir ce qu'on avait pour 350 balles. Ça a l'air d'un pur scandale, mais on s'éclatait, vraiment. Non, c'est pur. C'est donc pur. Allez, on commence avec un petit astéroïde. Tu veux essayer? Moi, je commande pendant ce temps-là. Allez. Je te fais reset, voilà. Alors, regardez, astéroïde, on est le petit vaisseau au milieu. Oui, c'est un vaisseau, pas un triangle. C'est un destroyer Star Wars. C'est un vaisseau spatial. Voilà. Ah non. C'est un destroyer stellaire de Star Wars en triangle et je t'emmerde. C'est vraiment ça. Et le but... Et tu entends la musique, c'est quand même les dents de la mer. Les dents de la mer, voilà, c'était très... Trop stress. Donc, but du jeu, se débarrasser des astéroïdes. C'est comme ça qu'on appelle les tas de pixels qui se baladent. Et l'idée, c'est que quand on tire sur un astéroïde, il se divise en plusieurs parties, en plusieurs petites miettes, et il faut jamais se faire toucher par les miettes. Et le vaisseau a une inertie osseuse. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est dur de freiner. Et si tu vas à droite de l'écran, tu sors à gauche de l'écran, donc ça facilite pas les trucs. On va faire un petit test. Alors voilà, là il va aller en bas et ressort en haut. Comme Garcimore. Et des comptes achetés, j'apprends que j'ai acheté. Donc voilà. Oh non, un alien. Ah, attention, oui, c'est un alien, la feuille morte au milieu bleu. Il a vraiment une tranche de soucoupe, n'empêche. Ah, c'est génial. On est obligé de tout décrypter, évidemment, au fur et à mesure. Mais nous, quand on était petits, on voyait tout de suite que c'était des astéroïdes, bah, des choses volantes. Et donc, toi, tu l'as vu à Noël, cette console, ou pas? Non, même pas. J'étais vraiment complètement passé à côté. Je l'avais vu chez un ami qui m'avait montré Phoenix. Ah là là, Phoenix, on l'a. Star Wars, etc. Enfin, c'était magique, vraiment magique. Là, on a passé les après-midi de folie à jouer à deux. Ah, c'était top. Hein. On finira avec Phoenix, là. Il vient d'en parler. Figurez-vous, allez, je vous le fais voir tout de suite. Il nous l'a amené carrément. La boîte d'origine, elle est sous cellophane. On l'ouvrira tout à l'heure à la fin. On se fera un petit plaisir. Carrément, c'est vraiment collector, un truc pareil. Combien t'as fait? 3220. J'étais vachement meilleur lorsque j'avais 8 ans. Bon, on va faire autre chose. Allez, je on me va suis faire... Écouté. Maintenant, c'est que de la 3D et des jeux de rallye de voitures. Oh, on n'est plus habitué maintenant. On n'est plus habitué. Allez, je mets combat. Attention, on va jouer à deux. Alors là, c'était quand même ultime combat. C'est des combats de chars. De... Un petit combat de tank. Ouais, alors je suis où? Je suis le char bleu à gauche de l'écran. Bleu, et Philippe, mort, en tout cas. Attends. Quoi? Rien du tout. J'attends rien du tout. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais faire une ordonnance puis une sévère. Non. Et voilà, tiens. On dit que je suis mauvais au jeu vidéo. Donc, ce qui était génial, c'est que ça comptait les scores. Console. C'est la mienne et voilà, je me fais quand même gagner. Attends, ça va venir. Ah, mais attends, j'ai pas touché à ça depuis des années, mais ça fait du bien. Donc, on a des chars. Hein, faut expliquer. Diesel, ce sont des parce chars. Que vraiment, ils vont pas vite. Ils vont pas vite. Tiens. Ah, pas mal. Et ce qui était génial à l'époque, c'est que les scores comptaient en fait. Le score dans un jeu, c'était super important puisqu'il n'y avait que ça pratiquement. Et c'était pas des scores en millions, c'était 1 plus 1. Voilà, en général. C'était égal 2. Il n'y avait pas l'inflation, c'était pas encore en euros. Capcom, donc, c'était pas de jeu encore. C'était non, pas encore. Mais on rigolait bien parce que c'était vraiment se mesurer. C'est excellent. C'était se mesurer à quelqu'un, voilà, avec un truc très très basique, très très simple. Oh là là, je vais me sauver. Ah, dommage. C'était vraiment un truc très très simple, très très basique, et pourtant on se marrait des heures avec ça. Ah, c'est exactement ça, c'est vraiment les principes de base du jeu vidéo. C'est le niveau zéro quoi. Mais niveau, ça marche bien. Niveau zéro du jeu vidéo. Mais c'est très défouloir. Ah, ça fait du bien, moi j'aime bien. Alors là on a pris un mode de jeu tout simple, mais ce qui était bien c'est qu'il y avait... Je sais pas si vous avez vu, j'ai redirigé mon tir. Ah, il y a des tirs aussi qui peuvent rebondir sur les murs, il y a plein de trucs. On va changer, regardez. Le même jeu, il y avait plusieurs trucs avec des décors différents par exemple. Plein d'options, voilà, avec des décors, des modes de jeu, des tirs qui rebondissent. On va s'en faire un, voilà. On va en faire un celui-là, je sais pas, alors on n'a pas la doc. Regardez là, c'est des tirs qui rebondissent, ça, voilà. Ça c'est génial. C'est excellent. Alors faut essayer de ne pas se morfler ses propres trucs. C'est comme au billard, faut essayer d'avoir l'autre en trois coups par la bande. Ouais, joli. En restant planqué derrière le truc.
Ah non. Ah bah on peut aussi faire en direct. En direct, non, ça compte pas, attends. C'est pour ça. Oh, pas mal. Ah bah oui, monsieur se venge. Je prends ma revanche. Un petit autre, hein. Ouais, ouais, attends, encore un petit coup comme ça, là. Un petit coup, c'est... comme ça, trop bien. Mais pas comme ça. Bon, alors, on va continuer. Il y a des escadrilles d'avions, si je me souviens bien, parce que ce truc-là fait les avions et les chars. Oui. Donc regardez, on est à 14 modes de jeu, 15 modes de jeu, et on arrive au biplan. Ça, c'était excellent. Donc les gros bousins au milieu, c'est des nuages. On peut faire des loopings. Comment ça? Mais c'est très fin comme graphisme. Ah, c'est très très fin. Alors moi je suis le celui qui est caché dans le nuage. Tu es passé dans le nuage. Eh oui, c'est ça le truc, c'est qu'on pouvait se planquer dans les nuages pour surprendre l'adversaire. J'aurais dû m'entraîner. Je suis en haut là, au milieu de l'écran, Philippe est en bas. Je suis en rouge. Je me suis planqué dans un nuage, on peut plus me voir. Ah y'a. J'ai pas contrôlé, c'est terrible. Hein. Même... Bah oui, parce qu'il y a que nous au bas. Utilisons les manettes de l'époque quand même. Et oui, oui, tiens, on va vous faire les manettes. Regardez, Pierre, si tu peux nous mettre à l'écran, regardez, on voit pas très bien. Je vais peut-être les mettre devant un truc noir. C'est vraiment le joystick de base, c'est voilà. Juste. Devant mon visage, peut-être, on verra mieux. Regardez, c'est ouais, juste la manette forme. Avec le truc noir et un bouton collision. Rouge. Et c'est tout. Là, ah, on s'est rentré dedans. Alors, je suis où, je sais plus, parce que les couleurs sont pas très très nettes. Il y en a un blanc clair et un blanc foncé, donc. Je suis celui qui est dans le nuage et qui va essayer de rentrer dedans. Ah, oh. Les couleurs ne sont pas gérées. On pouvait faire des trucs. Si, si, on pouvait se rentrer dedans, je crois. Pas dans ce mode de égalité. Jeu, dans un autre. Ouais. Alors, on va changer de mode de jeu. Il y avait escadrille, moi, si je me souviens bien. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un avion, t'en avais deux. Voilà. Un bombardier. Plus un bombardier, allons-y. Donc, moi, j'ai le bombardier, c'est-à-dire le gros tas de pixels en bas. Et Philippe a trois avions carrément. Et j'ai eu les trois avec une seule balle. Comme tu quoi, es trop fort. Je suis super fort. Tiens. Donc, l'avantage, je crois, c'est que moi, je dois pouvoir tirer beaucoup plus que toi. Des tirs plus puissants. Et bah, toi, plus gros, tu tires trois balles à la fois. Ce qui fait que pour moi, c'est quand même assez dur d'y échapper. Voilà. Hihi. Oh, trop bien. Allez, encore un autre mode de jeu. C'est les têtes brûlées. Ah, les têtes brûlées. Les Mirage 2000. Les Mirage 2000 vont beaucoup plus vite. Et allez, on va les faire en escadrille. Allez, c'est parti. Oui. Allez. Ah, regarde comme ça file. C'est impressionnant. Ah ouais. Ça plane. Oh non. Ah bah si. Je suis le rose. Où sont les missiles? Oh là là là. Rien que combat déjà. On peut jouer des heures avec ça. Donc il y avait déjà des jeux à deux, on pouvait déjà rigoler à deux. Regardez, c'est sans coucaille. Hop là. C'est vraiment limite. C'est limite obscène même la forme de ces avions, je trouve. Écoute, mais au moins on rigolait bien. Je t'en prie. Nous étions beaucoup trop jeunes pour penser à ça. C'est vrai. 8 ans, je te rappelle. Ah quand même, moi j'ai des souvenirs de Décathlon où on agitait le joystick comme c'est ça, et ça faisait bien rire tout le monde. Hein. Des millions de générations de joysticks sont morts sur Décathlon. Ouais, j'ai un copain qui l'a arraché carrément. Il s'est retrouvé avec le truc à la main. Alors que c'est solide, hein, normalement, ces manettes-là. Bon, on va changer de jeu un petit peu, on va rester toujours sur les mêmes. Qu'est-ce que c'était une course de voiture à l'époque? Ce qu'on faisait de mieux, c'était pole position. Regardez-moi, oh, je suis trop content. Tu veux jouer? Ah non, non, vas-y, jeu de voiture. Allez, je joue. Je tu, veux, tu peux commenter pendant ce je temps-là, maîtrise si tu veux. Pas. Je vais les mettre là, ceux qu'on a déjà vus. Donc, pole position, regardez, le top de la 3D de l'époque. Bon. Franchement, Rigaster, ça fait pitié à côté. C'est clair. Donc voilà, j'ai la voiture et je peux vaguement, mais vraiment très vaguement, me diriger à droite et à gauche. Bon d'accord, le décor est un petit peu vide. N'empêche, c'est fluide. Ouais, ouais. Il n'y a pas de ralentissement. Alors, il faut que je passe, voilà. On peut changer de vitesse, vous avez vu en haut à gauche, il y a écrit high et low. Donc là, je suis en haute vitesse, donc ça va plus vite. Je peux repasser la... oh là là, je peux repasser la vitesse... Attention, une voiture. Ah, c'était une voiture, oui, excuse-moi. Oui, monsieur. Ils ont précisé sur le manuel d'utilisation. Voilà, c'était ça. Les gros pixels sur l'écran sont des voitures. Et non pas des moules à gauche. Et non pas... Ça ne ferait pas très sérieux sur un circuit de formule. Quoique c'est à peu près le look de la voiture de Jean Alési après le premier virage. Ça c'est vrai. Ça, hein. Une pneumocombe, mais il y a quand même des zooms. Hein. Ça, c'est super. Oui, étonnant, étonnant. Donc là, il y avait un parcours. Je ne sais plus où on le voit, mais je parcours des kilomètres. Voilà, j'ai fait la première étape. Allez, je vais voir si tu donnes. Oh non, non, non. Allez, allez. Il n'y a pas de laser, pas de missile. C'est décevant. Toi, t'aimais bien ça, laser, missile et tout. Je ne joue qu'à ça d'ailleurs. Alors, on ne peut que vous recommander de faire les brocantes pour acheter ce genre de choses. En général, ils nous trouvent une Atari pour 50 balles à peu près, 100 oui, balles maximum. Maximum, avec les jeux souvent. Avec quelques jeux à côté. Et oui. Généralement, ce sont des machines qui ne tombent jamais en panne, donc il suffit de la connecter si on y arrive. Alors, il faut la mettre sur la prise d'antenne, c'est ça voilà, qui est dément. Ça, c'est un autre challenge parce que maintenant, avec toutes nos télés numériques, elles n'acceptent pas trop qu'on leur balance un signal antenne un petit peu plus pourri. Bête, ouais, ouais. Donc, elles ont du mal à trouver, mais elles ont du mal à trouver, mais on peut essayer. Puis le truc, c'est quand tu achètes la console sur une brocante, c'est que tu sais pas si elle marche vraiment ou pas. Donc tu peux la chercher des heures, ça m'est arrivé sur l'antenne télé, et tu la trouves pas parce qu'elle est cassée en fait. Mais ça, c'est le risque, mais bon, pour 50 balles, c'est pas grave. 50 balles, c'est une petite prise de risque. Ah non ! Bon, bah alors, t'es pas très bon conducteur, Philippe. Ah non, c'est clair. Bon, on va changer de jeu, allez. On a fait Astéroïde Space Invaders, un autre grand classique. Très, très grand classique. Alors, on voit pas bien, mais regardez, il y avait des superbes dessins sur les pochettes, sur les boîtes, qui donnaient super envie, et après, on se retrouvait avec ça.
C'était moins bien. Donc Space Invaders, tout le monde a connu. Il s'agit de démolir les extraterrestres qui sont au-dessus. Mais là, on voit que c'est des extraterrestres, je trouve. Hein. Allez, j'y vais. Ils en vont de sale tête. C'est moi, je suis en bas. Alors regardez, je suis en bas avec le petit canon. Il faut que j'évite les tirs de missiles de ces messieurs. Attends, on va te mettre un petit jeu. Voilà, voilà, c'est parti. Ça sera bien mieux. Alors la stratégie, c'était de se les faire par ligne. Là, par exemple, la ligne de droite. De bien synchroniser les tirs. On peut se planquer derrière les espèces de bunkers. Mais ils disparaissent au fur et à mesure. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aider Marcus. Regardez bien magie, comme Garcimore aussi. Hop. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, un peu comme tu es petit, tu peux te planter sous les bunkers maintenant. Ah, pas mal. Parce que sinon, bah, sinon je débordais. T'es un petit peu large, oui, t'as trop mangé. C'est ça qui est drôle, il n'y a pas grand chose, mais il y a plein de petits modes de jeu. Remets-moi gros, j'aime bien être gros. J'aime bien être gros, allez. Je suis plus habitué comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que les Space Invaders, chaque fois qu'ils atteignent le bord de l'écran, ils descendent d'une ligne. Et quand ils arrivent sur vous, bah, on est plutôt mal. Et plus on dégomme, plus ils accélèrent. Voilà, en plus. Les traîtres. Là-haut, là-haut. Oh, le QG, le quartier général. Essayez d'avoir le trou. Le tout, c'est de c'est tirer entre deux. Ah, j'étais pas loin. C'est Goldorak. Attention, peut-être. Oui. Ah, j'ai pas perdu la main, dis donc. Bravo. Je suis pas encore mort. Donc l'idée, c'était de les dégommer par colonne pour les empêcher d'atteindre le bord, pour pas qu'ils descendent en fait. Ouais, parce que s'ils descendent trop bas, ils te bouffent les bunkers. Voilà. Donc, tu peux plus te protéger. En plus. Peut-être les laisser descendre juste pour qu'on voit. Mais il te reste une chance. C'est pour ça que ce jeu est unique. C'est que même lorsque tu n'as plus tes bunkers qui sont très très bas. Tu as une petite chance de t'en sortir. Ouais, c'est ça, mais ça va super vite. Ah, lui, je l'ai raté. Non, peut-être je vais l'avoir. Yeah. Vous avez vu le temps que ça met à monter un petit peu? C'est impressionnant. Toi, je sens que tu vas mettre ton score sur Internet. Ah, j'ai vu tout péter. Tu vas te mesurer au plus grand joueur américain. Écoute, moi, ce que je trouve génial avec ces jeux de l'époque, c'est que les graphismes sont tellement sommaires qu'il n'y a pas de contestation possible, quoi. Tu tires un missile, c'est 2 pixels, tu vois tout de suite si ça touche ou si ça touche pas. Alors tu prends maintenant les shoot'em up avec des explosions partout, tu voilà, sais même tu, pas où sont tes rien, tirs, tu sais pas où sont les autres. Tirs. Ça y est. Donc voilà, là au moins c'est simple, il n'y a pas de contestation. Je me mets en petit nom. Oh, bah alors, il n'y a pas de contestation possible, on voit tout de suite où ça part, où ça tombe et tout. Et puis il y a le plaisir du score, 1230, pas mal hein. On peut jouer à deux aussi, on peut avoir chacun notre petit vaisseau. Un petit mode de jeu. On essaye? Alors attends, hop, tac, tac. Oui, 4, 5, 6, c'est les différents modes de jeu. Je crois qu'il y en a 60 ou quelque chose comme ça. Ah, là, les ennemis sont... Je sais pas si tu vois, ils sont invisibles. C'est monstrueux à jouer. Oui, oui. Les tirs sont aléatoires, les bunkers bougent. Les bunkers bougent, ouais. Ouais. Il y a vraiment plein de trucs. Alors, à partir de quand on va être deux? On en est quand même à la 29e variante. Les tirs accélèrent. Ah, nous on voilà. Est deux. Nous voilà. Allez. Hop là. Ça, j'adore ça. Parce que là, on peut s'engueuler. On peut s'engueuler pour celui qui fait pas son boulot. Donc, je suis à droite. Tu t'occupes des trucs de gauche et je t'engueule quand ça marche pas. Il y a une petite tactique, regarde, je perce mon bunker. Ouais. Et hop, je suis protégé, je tire à travers mon bunker. Ah, pas mal. Même plus la peine de bouger. Ah, j'avais pas trouvé ça, moi. C'est pas une astuce de folie, ça. Tu t'en occupes ou tu veux que je m'en occupe? Le chef, voyons, petit chef. J'essaye, on verra. Ouais, je l'ai eu, c'est bon. Bien. Alors, c'est chiant parce que quand un se fait tuer, les deux perdent. D'où engueulade, en général. J'ai percé un petit peu un tunnel un petit peu trop gros. Je suis sûr que ces petits méchants ils vont me tirer dessus à travers. Excusez-moi, un petit peu. On aurait pu s'habiller comme dans les années 80. Ça aurait été bien. Ah avec, là des... Là. Avec des bandanas, effectivement. Des bandanas, des Scooby-Doo. Ouais, des, Bon, on change. Un petit Phoenix. Hein. Déjà, non, on a encore un peu de temps. Attends. Un petit peu de temps. Miss Pac-Man, donc classique. Miss Pac-Man, attention. Avec la musique et tout. Incroyable. Alors, tu vas rire, mais. J'aime beaucoup les jeux vidéo, mais je ne supporte pas Pac-Man. C'est vrai, t'aimes c'est pas vrai. Non, bon, bah laisse, je vais le faire. Ah, vas-y, fais-toi un petit plaisir. Oh, la musique, c'est pas possible. Ouh. C'est pas possible. Ah, ça bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris la bonne manette? Eh oui, j'ai pas pris la bonne manette. Voilà. Tiens, alors allons-y, je recommence. Donc Pac-Man, vous connaissez quand même, il est ressorti il y a pas très longtemps. Oh, le bruit, c'est incroyable. Hein. Avec les petites vitamines sur le côté pour aller manger les fantômes qui deviennent bleus, sinon c'est eux qui vous courent après. Grâce à Namco, du Pac-Man, on va encore en bouffer longtemps, je pense. Hein. Oui, ils ont sorti un Miss Pac-Man d'origine, inclus dedans. Donc j'ai pu rejouer. T'as les cerises, enfin. Ouais, un peu décoloré les cerises, je sais pas vertes, si c'est nous. Ce sont des cerises, je le précise. Donc moi j'ai joué, mais alors des journées entières à Miss Pac-Man. Quel goût! Tu vas grossir. Oui, je crois qu'elle va un peu prendre du poids, elle rentrera plus dans son petit nœud. Elle ne paiera plus à Pac-Man, tout court. Bah, ce qui était fabuleux, c'était de faire un score, quoi, en fait. Tu vois, moi, je notais sur un petit carton que je mettais avec la cartouche. Passe à côté, voilà. Hop, voilà, on sort à droite de l'écran, on ressort à gauche. Ça permet de leurrer un peu les fantômes. Alors que les fantômes, ne le font pas. T'es sûr? Je croyais qu'ils pouvaient. Ah, je me suis fait gauler.
pas dans les premiers modes de jeu. C'est vrai. Bon, il reste plus beaucoup de temps. Alors hop, Pitfall 2, moi c'est un de mes préférés. Un petit Allez, Pitfall. C'est un peu. Il y a quelque chose d'assez drôle pour le Pitfall, c'est que il y a un Américain qui a fait un high score qui a été posté sur Internet il y a de cela un mois. Un mois. Eh ben alors, ça veut dire que donc, le mec qui a joué, je crois, 12 heures d'affilée. Voilà. 12 heures d'affilée. 12 heures d'affilée qui avait un score mais de folie. Quoi. Incroyable. Il faut être quand même très fort. Ah, on n'a pas les bonnes couleurs. Il y a un petit truc bizarre là. Normalement, c'est beaucoup plus orangé que ça. Donc Pitfall, c'était Indiana Jones. La musique est vachement bien. La musique est bien, ouais, pour une fois. Donc je suis ce petit bonhomme, je cours, je peux me baisser. Non, je peux pas me baisser. Non, tu peux pas te baisser, je suis obligé de passer sous l'oiseau. Donc il va falloir que je calcule. Très périlleux, maintenant. Voilà. Nickel. Il faut que je saute pour pas tomber dans l'eau, mais il pouvait tu nager. Tu peux tomber dans l'eau, ouais. Et il y a des trésors au fond derrière. Ah. Le scorpion, c'est très dur. Ah là là, c'est au millimètre près, hein. C'est impressionnant. Marcus, non. Là, tu vas redémarrer à la dernière croix. Et ouais, il me remet au tout début, au checkpoint, oui. En fait. Checkpoint, c'est vrai. Alors, c'était rigolo, fallait sauter sur les crocodiles et tout ça. Oh là là, bon, c'est pas les bonnes couleurs, je suis dégoûté, on retrouvera. On a bientôt fini, donc on va ouvrir. Allez, soyons fous, là, je te laisse Noël. Le faire. Là, c'est le cadeau. Incroyable. Un phoenix. Un phoenix, voilà. J'en reviens pas. Il y a quelques temps. Alors, il enlève le cellophane. Donc, j'enlève la cellophane. Et ça sent les années 80 dedans, il y a de l'air des années 80. Il y a de la musique des années 80. Ça sent Jeanne Masse. Rouge et noir. Tu l'avais oublié celle-ci. Hein. Et on va finir sur Phoenix qui est un beau jeu, vraiment genre Galaxian. C'est une avancée de Galaxian, un shoot'em up que j'adore. Allez hop, mets-le vite, il nous reste plus beaucoup de temps. Hop. Voilà, on va se quitter là-dessus sur Phoenix, vraiment c'était génial. Je peux. Il passe pas, il marche pas, il est cassé. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre à la fin? California Games, ça passe pas. Et voilà, non, c'était il tout passe neuf. Pas. Oh, dommage. Dommage. California Games, il marchait. On va finir avec California Games alors. Tu sais plus dans quel sens? Comme ceci. Juste pour la musique, c'est genre une musique des Beach Boys, c'est assez monstrueux. Et on va faire du jet ski. Allez, je te laisse faire. Voilà, on va se dire au revoir là-dessus. Merci Philippe d'être venu, d'avoir amené tout ça. C'était un plaisir. Oh, ouais. Je crois qu'on se le refera parce que c'est pas possible. Sans problème, tu passes à la maison quand tu veux. D'accord, ouais, je crois que je vais venir. Vas-y, mets un petit jeu là qu'on voit. Voilà. Qu'est-ce que je suis beau. C'est un jeu de lancer de balle où il faut sauter avec la petite balle. Oh, pas mal du tout. Bon, voilà, on se quitte là-dessus, on le refera, je crois, parce que franchement, c'était trop bien et trop court. Il y en a encore des milliers à voir. C'était l'Atari 2600 dans Level 1, le bonheur. Merci de venir, Philippe. Sans problème. Soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1. Oh, je suis tout ému, moi. Rendez-vous demain